Tiens, t'es jamais vu toi? Qu'est-ce que... Johnson? Bonjour, sergent! Oh, Johnson, ça fait un bail! Vous êtes en opération? Non, sergent, je suis allergique au pollen. Un petit lait d'amande? Merci, sergent, mais si je suis venu, c'est pour vous demander quelque chose. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Et Cooper, qu'est-ce qu'il devient? Il est toujours dans l'équipe dédiée aux otages? Ça fait longtemps que Cooper a quitté Rainbow, sergent. À ce qu'on dit, il est devenu freelance, un mercenaire. Petite semoule, je vous la prépare vite fait. Merci, sergent, mais je crains que nous ne manquions de temps. Si je suis venu, c'est parce que on a besoin de vous. C'est impossible, Johnson, vous le savez bien. Je suis à la retraite, c'est derrière moi tout ça. Vous ne comprenez pas, sergent. Ils ont enlevé Léo. Hein? Léo? Faites-vous de la trompette? Non, sergent, notre Léo, notre code mythique. Regardez, c'est la photo qu'on a reçue hier soir. Oh bon Dieu. Ah oh, Léo, je t'avais dit que c'était fini pour moi tout ça. Oh Léo. Vous pourrez toujours compter sur moi, sergent. Vous êtes le seul ami que j'ai jamais eu, sergent. Ok, je vais le faire. Donnez-moi une minute. J'ai quelque chose à terminer avant. Encore une belle mission. J'arrive, Léo. Accrochez-vous pour cette review de Six Siege, j'ai décidé d'aller droit au but. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que je suis convaincu que ce jeu n'a pas besoin de mes lumières pour cartonner et que je lui prédis une campagne fulgurante. Plusieurs raisons à cela, raisons qui sont plus ou moins liées à l'univers du jeu de plateau, mais rassurez-vous, je vais structurer mon exposé pour ne perdre personne en chemin, ni ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, ni même ceux qui ne connaissent pas Tom Clancy. Et pourtant, Tom Clancy, je suis convaincu que vous le connaissez. Tom Clancy est un romancier américain né en 1947 et passionné par l'armée qui, à cause de sa mauvaise vue, se verra refuser le droit d'aller combattre au Vietnam. Frustré mais n'en gardant pas moins sa flamme, il se repliera sur l'écriture de nouvelles avant d'exploser au grand jour en 1984 avec Octobre Rouge. En quelques années et pas mal de livres marquants, il va devenir une pointure du roman d'espionnage, tout particulièrement grâce à son écriture méticuleuse et ses récits extrêmement documentés. Ses histoires seront adaptées au cinéma, mais aussi déclinées en plusieurs licences phares du jeu vidéo, comme Ghost Recon ou Rainbow Six. Sa renommée atteindra son pic quand on lui prêtera d'avoir décrit les attentats du 11 septembre 2001 dans son roman de 1996 Sur Ordre, et prédit la deuxième guerre d'Ossétie dans le scénario du jeu Ghost Recon en 2001. C'est son roman Sans aucun remords de 1994 qui pose les prémices de la saga Rainbow Six. Cette organisation regroupant l'élite des forces spéciales du monde entier a pour vocation de lutter contre les nouvelles menaces terroristes. Et très vite, le succès de ce thriller, mêlant avec brio fait réel et anticipation, donnera naissance à de nombreuses adaptations, y compris dans le monde du jeu vidéo. Les premiers opus de la série Rainbow Six, dont le premier sort en 1998, font longtemps office de précurseur en termes de simulation tactique à la première personne, notamment grâce à leur réalisme. En 2015 sort Rainbow Six Siege, véritable anthologie qui propose d'incarner un opérateur parmi un vaste choix de forces spéciales dans le monde et d'affronter d'autres joueurs en ligne dans des situations s'approchant du réel, comme le désamorçage d'une bombe ou l'extraction d'otages. Exigeant et punitif, le jeu conserve l'identité de la licence dans ce qu'elle propose de tensions et de difficultés, tout en apportant un nouvel aspect tactique grâce à des gadgets complémentaires et une asymétrie totale des deux équipes qui s'affrontent. C'est de ce succès, édité par Ubisoft, que Six Siege The Board Game tire son inspiration. Le défi étant bien sûr, au vu de l'immense communauté passionnée par son pendant vidéoludique depuis près de 6 ans, de faire en sorte de rendre les sensations du jeu vidéo le plus fidèlement possible, tout en faisant du jeu de plateau un divertissement qui ne soit pas de niche, ni trop complexe, ni trop technique. Avant de développer le si et le pourquoi Mythic a réussi, laissez-moi rapidement brosser les concepts du projet, afin que ceux qui auraient raté les premières annonces se mettent au parfum. Dans Six Siege, deux joueurs, commandant chacun 5 opérateurs, vont s'affronter afin d'accomplir un objectif qui leur est propre.
On reste ici sur les poncifs du genre, contrôle de zone, désamorçage de bombes, extraction d'otages. Le joueur défenseur aura à sa disposition toute une panoplie de pièges et autres gadgets visant à ralentir l'attaquant dans son entreprise, sachant que le temps joue contre ce dernier. Les assaillants, eux, disposeront d'outils variés permettant de créer des brèches, de désactiver les pièges ennemis et d'éliminer toute opposition. Le jeu repose sur un concept simple de déplacement et d'action, auquel s'ajoute un concept éculé mais diablement efficace, la surveillance. Pour une action, n'importe quel opérateur peut arrêter son mouvement et couvrir la zone devant lui. Tout adversaire effectuant une action ou un mouvement dans le champ de vision d'un opérateur en surveillance subira immédiatement un tir de réaction. Maintenant, on va arrêter de tourner autour du pot puisque j'ai déjà donné mon avis en long, en large et en travers sur Six Siege et on va en venir aux raisons qui font que pour moi ce jeu est une immense réussite, l'utilisation d'un chronomètre d'abord. Que vous passiez par l'application fournie ou par des moyens plus traditionnels, c'est lui qui fera le sel de vos parties. Chaque équipe dispose, en mode normal, d'une minute par opérateur, donc 5 minutes en début de partie, pour effectuer ses actions. 5 minutes, ça paraît assez large pour déplacer quelques figurines, d'autant que le temps se fige quand vous jetez les dés pour effectuer un tir. Mais 5 minutes, c'est terriblement court quand vous devez y intégrer le temps de réflexion. À part pendant les tirs et lors d'un bref moment entre les tours, le chronomètre ne s'arrête jamais, et si votre temps s'écoule complètement, les opérateurs non activés ne feront rien ce tour. Il vous faudra donc, et c'est loin d'être évident, prendre les meilleures décisions dans un temps très limité, et surtout adapter vos plans aux actions de l'adversaire sans impacter l'activation de vos agents. Ensuite un mot sur la surveillance et le contrôle de zone. Six Siege est un jeu dans lequel la mort vous guette en permanence. Si le premier tir reçu ne vous tue pas, ce sera à coup sûr le deuxième. Dans ce contexte, tenir des zones et les garder à vue est absolument crucial. Tout le jeu repose sur le fait de fermer des options à l'adversaire pendant qu'il tentera de s'en créer. Vous vous retrouverez donc en présence d'un véritable jeu d'échecs, comparaison sur laquelle je vais insister lourdement, tant les mouvements et le positionnement, la tactique en somme, sont le cœur de la mécanique. Les accès sont bloqués par des ennemis en surveillance? Créer une brèche dans un mur? Le mur est renforcé ou protégé par un gadget? Jetez une fumigène afin de couvrir votre progression. Troisième point essentiel, la localisation. Un attaquant rentrant dans une pièce dotée d'une caméra, ou n'importe quel opérateur se faisant tirer dessus, va recevoir un marqueur localisé pour ce tour. Imaginez qu'il se trouve maintenant sur le radar de ses ennemis. Si votre agent est localisé, les adversaires pourront tirer dessus même à travers les murs légers et les barricades, le rendant exposé et vulnérable pendant le tour en cours. Tout cela donne un jeu tendu qui restitue à merveille les sensations du jeu vidéo et surtout la même propension à l'erreur que dans un FPS. Toujours pris par le temps, vous devrez réagir à la volée et peut-être prendre des risques. En contrepartie, bloquer des mouvements potentiels en vous mettant en surveillance et en posant des pièges peut vous permettre d'allouer plus de temps à d'autres zones sur la carte. Enfin, le peu de points de vie que vous avez et le risque de vous retrouver localisé fait que vous ne pouvez jamais complètement relâcher la pression. J'ajoute que pour simuler le fait que l'attaquant ne sait pas où se trouve le défenseur en début de partie, ce dernier va poser des pions leurre, obligeant le joueur bleu à la plus grande prudence lorsqu'il débute son insertion. Éloignons-nous maintenant du fanservice vidéoludique pour regarder le jeu du point de vue d'un non-initié. De l'aveu même de Mythic Games, les premières versions de Six Siege, créées par Carlos Gomez Quintana, s'approchaient de la simulation, tentant de restituer point par point la densité et la complexité de son grand frère vidéoludique. Presque 2 ans de travail ont été consacrés à la simplification de ces règles, afin d'effacer un maximum de cas particuliers et d'obtenir un livre de règles tenant sur une 20aine de pages, illustrations comprises. Il n'est pas nécessaire d'être un grand joueur de jeux vidéo pour apprécier Six Siege. Les notions sont simples à assimiler, les quelques particularités des opérateurs que vous jouez sont toutes indiquées sur leur tuile, et vous n'avez donc quasiment jamais à revenir au livre de règles une fois qu'il est lu. Toute la complexité et la stratégie reposent sur le placement de vos opérateurs et sur les actions qu'ils vont entreprendre, faisant donc du nombre d'agents ou de cartes disponibles une notion non essentielle à la rejouabilité. Enfin, pour les joueurs qui souhaitent des parties plus longues et moins stressantes, une variante sans chronomètre est d'ores et déjà prévue. Alors qu'est-ce qu'on a au final? Un jeu rapide et lent. C'est mort à dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. C'est rapide parce que le temps passe vite, la mort arrive vite, et souvent même sans chronomètre, la partie est terminée avant la fin du 5ème tour. Et en même temps, c'est lent, c'est mesuré, puisque chaque opérateur va avancer pas à pas aux aguets, guettant l'opérateur caché ou bien le gadget déclenché qui pourrait ruiner son activation. Exactement comme le jeu vidéo, mais aussi exactement comme tout bon jeu de plateau compétitif, Six Siege est particulièrement abordable avec un déroulé de tour simplifié au possible. Se déplacer jusqu'à 5 cases, effectuer 2 actions, passer son tour. Et pourtant, il offre une profondeur et un niveau de maîtrise qui le calibre parfaitement aux compétitions de haut niveau, parce qu'il ne repose pas sur des cartes de quête ni même vraiment sur des jets de dés frais, mais sur votre sang-froid ainsi que sur vos capacités d'anticipation et de réaction. Mais rien n'est jamais tout rose dans mes vidéos et j'aimerais pointer ici quelques éléments qui, j'espère, seront réglés pendant ou après la campagne. D'abord, la mise en place et la manipulation peuvent être assez pénibles. Et ce n'est pas forcément du fait du nombre de pions en jeu, somme toute assez raisonnable, le problème c'est que tout bouge. Les meubles, les portes, les pièges, dans certains cas la promiscuité est si grande entre les opérateurs et le décor qu'à chaque mouvement une table va finir de travers ou une caméra va tomber.
Les jetons étourdis et localisés, placés sur les socles des figurines, sont toujours plus ou moins en équilibre et gênent les déplacements. On aurait pu imaginer un système légèrement aimanté afin de faciliter la tenue de ces marqueurs. En l'état, les manipulations demandent beaucoup de soins et peuvent parfois faire perdre un temps précieux en mode chronométré. Deuxième point négatif, même s'il est très théorique puisque je ne l'ai pas expérimenté dans mes parties, il n'existe aucune mécanique qui permet à un joueur en retard de revenir. Pire, un joueur perdant trop d'opérateurs dispose de moins de temps pendant son tour, et j'imagine qu'en cas d'écart trop grand de niveau entre deux adversaires, les corrections pourraient être rapides et peu intéressantes. De mon expérience, les matchs sont toujours très serrés, mais malgré son accessibilité, on ne peut pas qualifier Six Siege de jeu familial. A ceux qui ont cliqué pour arriver directement ici et qui ne veulent pas m'écouter soliloquer pendant des heures, je vous propose un résumé de ma review en quelques questions. Ai-je besoin d'aimer ou de connaître le jeu vidéo pour apprécier Six Siege ? Absolument pas. Si le jeu déborde de fanservice, il a été conçu comme un jeu de plateau à part entière et non pas comme une extension du jeu vidéo. Oui mais alors, si je suis fan du jeu vidéo, est-ce que je vais m'y retrouver ? Tout à fait. Même si certaines des capacités des opérateurs sont simplifiées ou légèrement détournées, le génie de Six Siege est d'une part qu'avec le timer, on retrouve la même pression et le même stress que dans le jeu vidéo, mais surtout que chaque opérateur présent garde vraiment son identité, sa façon d'être joué et sa synergie avec certains autres. Est-ce que deux cartes seulement, dans la boîte de base, ça n'est pas trop peu ? Non. De par ses mécaniques, le jeu et le plaisir qu'on en tire dépendent moins de la carte que vous allez choisir ou des opérateurs en action que de vos choix et de ceux de votre adversaire. Pour rebondir sur ma comparaison avec les échecs, qui pour le coup ne proposent qu'une seule map, pensez aussi à des jeux vidéo comme League of Legends ou Counter-Strike, pas besoin d'avoir une multiplicité de personnages ou de cartes pour qu'un jeu soit engageant et donne envie d'y revenir. Alors que dire pour conclure ? Que Six Siege est avant tout un système, qu'il pourrait presque se jouer avec des meeples neutres et un damier. Qu'il fait passer les mécaniques avant le thème, même si celui-ci est présent à chaque coin de mur sur chaque opérateur. J'ai parlé des échecs tout au long de la vidéo, et c'est mon argumentaire à ceux qui auraient peur d'une rejouabilité faible avec le contenu de la boîte de base. Vous pouvez jouer 10 parties sur la même carte avec les mêmes personnages et vous n'en connaîtrez pas deux pareils. Ça n'empêche pas les malades comme moi de vouloir absolument tout. Les opérateurs ont pour la plupart des capacités vraiment distinctes, et l'envie de varier les stratégies passe aussi par cette variété de possibilités. Jeu de plateau réussi, comme son grand frère, dans le sens que quelle que soit la combinaison d'opérateurs que vous choisirez, vous n'aurez jamais la réponse à tous les problèmes posés par l'ennemi et le décor. C'est définitivement sa force. Avantage supplémentaire, le mode de jeu à 3 et plus fonctionne du tonnerre et je devrais prochainement vous en faire un compte-rendu de partie. Se partager les opérateurs permet bien sûr de gagner en temps de réflexion mais élimine tout effet de surprise puisque vos adversaires entendent tout ce que vous vous dites. Vous vous retrouvez donc avec des choix entre ne rien dire ou bien parler par message codé et cela ajoute encore une couche de fun à l'ensemble. Je termine avec quelques éléments supplémentaires comme le fait qu'un insert sera proposé avec le jeu. Mythic a eu du mal à s'y mettre, ça avait pas mal râlé pendant la livraison de Rage Busters et j'espère que cet insert permettra encore d'accélérer la mise en place du jeu. Enfin leur choix par défaut de proposer des meubles en carton, épargnant ainsi aux moins agiles d'entre nous, la fastidieuse phase de peinture est une excellente nouvelle qui va permettre également au mobilier de coller au thème des cartes proposées. Vous l'aurez compris, après avoir été très critique vis-à-vis de Mythic Games pendant des années, je vous invite ici à vous lancer les yeux fermés dans la campagne de Six Siege. Une fois que vous avez intégré le fait qu'il n'est ni narratif ni calibré pour le solo, il vous reste un jeu comme il n'en existe probablement pas sur le marché, auquel vous risquez vite de devenir accro. Je ne peux pas conclure cette vidéo sans dire un grand merci à toute l'équipe de Mythic Games qui m'a vraiment accompagné et soutenu pendant toute cette pré-campagne. Alors il y a Léo bien sûr, il y a aussi David, JB, il y a énormément de monde. Des gens sans qui toutes ces images, mais aussi toute l'animation et toute la mise en scène autour n'auraient pas été possible. Un grand merci à eux donc, et en parlant de Mythic, il faut que je vous laisse. J'ai promis quelque chose à un vieux copain. Top intervention. On the ground! C'est bon? On! Cooper, c'est toi? Cooper, mais alors qu'est-ce que vous devenez? Et vous, sergent? Bah, écoutez, moi je suis à la retraite maintenant. Ah bon? Il est beau votre bunker, hein? Ah, c'est mal à rentrer, hein? C'est vrai? Ouais, ouais. Et j'ai des super installations là-bas, vous voyez? C'est vrai? Ouais, vous très beau. Allez. Oh, vous avez bien progressé, Cooper. C'est gentil.